Ophélie suscite beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux en tant que candidate de mariée au premier regard. Dès le début de son aventure avec Loïc, leur mariage a connu des débuts difficiles. Peu après leur union, Loïc a révélé des informations qui ont profondément perturbé sa femme. Elle s'est notamment inquiétée du fait que sa dernière relation remontait à février, ce qui l'a fait douter de son engagement et de sa compréhension de la vie de couple. Les tensions se sont aggravées lors de leur voyage de noces, qui s'est avéré être une véritable catastrophe. Dans l'épisode 7, Ophélie confronte ouvertement son mari et exprime ses inquiétudes. Avant la diffusion de l'épisode suivant, Ophélie a répondu à des questions, révélant quelques secrets de l'émission. Elle a notamment mentionné que chaque marié avait droit à 10 invités maximum pour le mariage, mais qu'elle avait pu négocier pour en ajouter 2 de plus. Elle a également expliqué que les participants n'avaient aucun contrôle sur la destination de leur voyage de noces, malgré avoir donné leurs préférences. Ces révélations éclairent un peu plus sur les coulisses de l'émission et les défis auxquels les participants sont confrontés, y compris la gestion des invités et la perte de contrôle sur des aspects importants de leur expérience.